Amis d'ivoiretv.net, je vous salue. Comme toujours, je suis ravie d'être avec vous. Et bien aujourd'hui encore, nous sommes de retour dans la cuisine pour cette nouvelle émission, comme vous le savez, comment manger comme chez nous. Et bien aujourd'hui, je vais vous présenter un mets très simple qui est un kejenu, mais pas un kejenu de poulet, c'est un kejenu de poisson, particulièrement de mâchoiron. Alors je vais d'abord vous présenter les ingrédients et ensuite les différentes étapes, comment effectuer ce plat. Alors nous avons donc un gros mâchoiron. Nous avons une demi-livre de crevettes, deux piments, trois tomates, deux oignons, et bien un poivron. Et aujourd'hui, nous allons utiliser un autre assaisonnement que nous appelons, c'est la marque Goya Sazon, qui est donc un assaisonnement qui est un peu comme le cube magie ou tous les autres. Nous allons également utiliser du poivre et du garlic, mais c'est de l'ail en poudre, du sel et un peu d'huile. Et un tout petit peu d'eau qu'on ajoutera, je dirais, vers la fin de la cuisson ou à notre goût. Eh bien, comment est-ce que ce mets va se préparer? Très, très, très simplement. Je vais d'abord découper mes légumes. Donc, la tomate que je vais couper en dés. Nous allons couper tous nos ingrédients en dés. Alors, les cuisiniers, excusez-moi. Je ne tiens peut-être pas la tomate comme il le faut, mais je fais de mon mieux. Alors, nous allons découper la tomate en dés, les trois tomates en dés. Alors, c'est un mets qui nous prend, pour la cuisson, qui nous prend banalement, je dirais, 30 minutes. Parce que le poisson, est très facile. Mais je voulais ajouter une chose, c'est que quand vous lavez le poisson, là, il est déjà lavé. Mais il serait intéressant que vous utilisiez dans votre eau un tout petit peu de vinaigre ou du citron, juste pour enlever l'odeur du mâchoiron. Parce que le mâchoiron a tendance à avoir une odeur un peu forte. Alors, nous avons une planche pas très grande. Donc, je remets un peu dans mon assiette ce que j'ai coupé en dés. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise autant de légumes? C'est pour pouvoir avoir suffisamment de jus pour notre kejenu. Alors, une petite anecdote en ce qui concerne le kejenu. Je demandais comme ça tout à l'heure à un de mes collègues. Alors, kejenu, puisque tu es baolé, je sais que ça vient de chez les baolés. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il me disait comme ça, eh bien, kejenu, c'est remuer. Et il disait comme ça qu'en fait, les vieux baolés, après donc un dur labeur, après les travaux champêtres, qui restaient là à déguster leur vin de palme, donc utilisaient leur, bien sûr, le poulet, leur volaille et tout ça, qu'ils mettaient dans un petit canari avec les légumes qu'ils avaient apportés de main. Et donc, ils mettaient ça sur le feu de bois. Et après, ils remuaient juste le canari et c'était prêt. Et comme ça, ils pouvaient avoir de quoi manger après le dur labeur. Et comme les années passent, nous avons donc essayé d'élaborer ce plat. Donc, c'est comme ça que nous avons cette recette du kejenu de poisson. Alors, il y a le kejenu de poulet, le kejenu de poisson. Il y en a qui font le kejenu d'escargot. Et voilà. Alors, maintenant, mes oignons que je découpe également en dés. Que je vais découper en dés. Voilà. Alors, j'en prends deux, comme je vous ai dit tout à l'heure, deux oignons que je coupe en dés. Voilà. Pratiquement fini avec les oignons. Alors, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas séparé. Il faut juste tout découper parce que, comme je vous disais tout à l'heure, nous allons tout mettre en même temps dans la marmite. Et laisser cuire pendant juste 30 minutes. Et nous allons faire la méthode à l'ancienne. Donc, qui sera de remuer la marmite. Malheureusement, nous n'avons pas de canari. Donc, je suis bien sûr d'accord. Si nos internautes, nos amis d'Ivoire TV veulent m'emmener un canari comme il faut pour faire le kejenu comme chez nous. Mais nous essayons par tous nos moyens de pouvoir manger comme à chez nous, pays, je dirais. Alors, après ça, donc, mon poivron. Alors, je prends le soin d'enlever l'intérieur de mon poivron. Voilà, comme ça. Et le poivron, je vais également le découper en dés. Alors, un gros mâchoiron, ça peut
servir à peu près 4 personnes. Donc avec nos crevettes. J'aime bien rajouter des crevettes parce que je trouve que ça relève le goût de la sauce. Et voilà. Donc tous ceux qui sont allergiques aux fruits de mer, vous n'êtes vraiment pas dans l'obligation de mettre des crevettes ou des fruits de mer. Mais si vous aimez bien, vous pouvez rajouter des crevettes parce que comme je le disais, les crevettes relèveront le goût de votre plat. Alors, j'ai pratiquement fini avec mon poivron que je rajoute également ici. Voilà la dernière moitié avant de tout mettre dans la casserole. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment vraiment simple. Mesdames et messieurs, vous pouvez facilement faire ce mets en 30 minutes. Vous rentrez du travail, vous êtes un peu fatigué, vous voulez faire manger, vous voulez donner un plat de chez nous donc à la petite famille ou vous-même vous voulez vous faire plaisir. Eh bien, c'est tout ce qu'il y a lieu de faire. Alors, mes crevettes ont déjà été lavées, mon poisson également, le piment également. Et comme vous le savez, prenez le soin toujours d'enlever la tige du piment. Alors le piment, je vais juste le couper en deux parce que les piments ici sont très forts. Alors pour ceux qui aiment beaucoup de piments, vous pouvez en mettre 3, 4, 5. Ça dépend de votre, je dirais, ça dépend de votre goût. Alors je vais donc prendre ma casserole où je vais donc renverser tout ce que j'ai dans la casserole. Mais bien avant, je vais utiliser de l'huile. Alors dans la casserole, je mettrai juste une petite quantité d'huile. Pardon. Alors c'est pas encore ouvert. Eh bien, c'est de l'huile végétale. On essaye pour le mieux d'utiliser l'huile végétale parce que nous pensons qu'elle est beaucoup plus healthy, on dira. Donc, c'est une huile qui protège du cholestérol, qui est beaucoup plus saine. Voilà. Alors, juste un tout petit peu d'huile. Et juste après ça, je rajoute d'abord mon poisson. Le poisson. OK. Ensuite. Les crevettes, nous ici on mesure tout en pounds. Donc pound c'est un peu si vous voulez la livre en français. Donc c'est juste une demi-livre. Voilà. Donc à ça, nous allons rajouter tous nos légumes. Donc nos 3 tomates, 2 oignons et notre poivron. Ensuite, nous allons d'abord mettre un peu de sel. Alors, mesdames, je ne pourrais pas vous dire exactement quelle quantité, ou messieurs, mais vous mettez à votre goût. Ensuite, nous allons rajouter le sazon de Goya, donc qui est un assaisonnement comme les cubes. Donc, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser du cube magie étoile, jumbo, magie crevette, tout ce qui vous plaît pour vos assaisonnements. Alors, du poivre également à votre goût, de la poudre d'ail, voilà, et vraiment un tout petit peu d'eau, juste un tout petit peu, je prendrai pas tout, je prendrai que la moitié de ça, un tout petit peu d'eau, voilà, terminé. Alors, nous allons donc porter à cuisson pendant 30 minutes et notre kejenu de poisson sera prêt. À tout à l'heure. Alors, donc, pratiquement à 25 minutes de cuisson, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous allons donc prendre notre marmite comme ça et puis la remuer pour être sûr que notre poisson n'est pas en train de coller. Alors, on va voir de quoi notre kejenu à l'air, encore une fois, doucement. Et hop, ah voilà. Alors, notre kejenu est pratiquement prêt. Plus que 5 minutes et nous allons pouvoir déguster ensemble. Alors,
Alors, donc, plus que 5 minutes et notre Keijenno sera prêt. Nous allons donc le manger avec du riz que je vais servir tout à l'heure. Eh bien, le riz, on n'a pas besoin de le faire ensemble. Hein, vous le faites comme vous le voulez, du riz blanc. C'est très bon avec le Keijenno ou si vous voulez manger avec autre chose. Alors, je vais juste faire un petit récapitulatif de tout ce que nous avons utilisé pour notre Keijenno de mâchoiron. Keijenno de mâchoiron. Alors, pour ce mets, nous avons utilisé 3 tomates moyennes, 2 oignons, un poivron, 2 piments, des crevettes, je dirais donc une demi-livre de crevettes. Nous avons utilisé du sel, du poivre, donc je dirais donc à volonté selon votre convenance. Nous avons également utilisé un assaisonnement que nous avons ici, que nous appelons Goya Sasson, qui est un assaisonnement qui est bien pour tout ce qui est poisson, viande, fruits de mer. Et voilà, donc ce sont nos ingrédients pour notre Keijenno. Notre Keijenno est prêt, nous allons arrêter le feu, nous allons servir et nous allons déguster ensemble. Vous allez voir comment ça se présente. Et comme je vous l'ai dit, c'est un mets très rapide. 30 minutes pour la cuisson, 30 minutes pour la préparation. En 1 heure, vous arrivez à servir un plat copieux à toute votre famille ou à vous-même pour vous faire plaisir. Alors, nous allons arrêter le feu. J'ai omis de prendre ma louche. Voilà comment est-ce que notre plat se présente à la cuisson. Alors, je vais servir. Et tout à l'heure, nous allons avoir quelqu'un qui va peut-être nous aider à déguster. Je prendrai juste un petit morceau. Alors, comme je disais, j'aime bien toujours préparer avec suffisamment de jus pour ceux qui aiment bien boire la sauce. Vous pouvez même prendre votre Keijenno un peu comme une petite soupe. Si vous voulez, vous pouvez laisser cuire un peu plus longtemps si vous ne voulez pas qu'il y ait trop de jus. C'est comme vous voulez, hein. Mais voilà, donc avec vos crevettes et tout. Et le petit piment de côté. Voilà, notre plat est servi. Voilà, avec du riz. Donc, vous pouvez le faire en carré, juste pour la présentation, un petit carré, ou donc vous pouvez utiliser aussi une assiette, un bol pour le faire en petits ronds. C'est comme vous voulez, vous pouvez juste servir votre riz comme ça. Alors, nous allons déguster. Et pour la dégustation, je vais avoir de la compagnie, n'est-ce pas? Alors voilà, comme bonne maman, je vais appeler avec moi mon petit garçon ici, Sean. Sean, tu viens pour dire à maman si c'est bon le plat qu'elle a préparé? Ok. Alors, est-ce que Sean aime le riz? Oui. Oui. Tu vas goûter le riz? Alors, maman va te donner. Maman va utiliser la fourchette tout à l'heure. Alors, on casse le riz. On va mettre un peu de sauce dessus. C'est chaud, donc il faudra pas que je mette. On va attendre un peu parce que c'est chaud. On va couper un peu de poisson. Juste un tout petit peu prochain, n'est-ce pas? On va attendre, d'accord? Voilà. Alors, Sean va nous dire si c'est bon ou pas. D'accord? On va attendre que ce soit. Donc, Sean, tu prends la cuillère. Non, ça, la cuillère. Tu souffles d'abord. Hein. Tu me diras si c'est bon. D'accord? Ok. Ok. Très bon. C'est bon? D'accord. Alors. Ça, c'était un Keijenno. Est-ce que Sean savait que c'était un Keijenno? Non. Alors, c'est un Keijenno de mâchoiron. D'accord? Voilà. Eh bien, amis d'ivoiretv.net, nous étions donc dans notre petite cuisine familiale pour comment manger comme chez nous. Aujourd'hui, c'était le Keijenno de mâchoiron. Et donc, vous pouvez rester posté sur ivoiretv.net pour toujours avoir ces petites recettes-là que nous allons essayer de vous donner
chaque semaine. Eh bien, je dirais donc à la semaine prochaine. C'était Estelle Yesso depuis ivoiretv.net. Salut. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.